fidélité. Vous tombez à pic, les joueurs sont dans le tunnel, alors laissez-nous vous présenter cette rencontre. Bonjour, Grégoire Margoton, heureux de vous retrouver pour ce rendez-vous de football. J'ai en ma compagnie Darren Tullet et son regard décalé. Salut Darren. Hello my dear, très content de vous retrouver pour cette nouvelle rencontre. Et voilà, sous nos yeux, les compositions d'équipe. On est parti pour 90 minutes. Pour trouver la faille dans la défense. Ça joue. Il est passé. Casemiro. Long ballon dans le sens du jeu. Sur l'aile gauche et il a du soutien. Il choisit la profondeur. Oui mais c'est mal fait, c'est mal joué cette contre-attaque. Il y avait beaucoup mieux à faire. Attention, ça peut aller vite, côté gauche. Voici un bon centre. Non, ça n'ira pas au fond. Super débordement, même si le marquage était un peu à la rue. Il joue avec le feu en ce moment en laissant autant d'espace sur les ailes. Premier corner dans cette rencontre. Le ballon sort en touche. Il choisit de centrer. Oui, bonne intervention de la défense. Cristiano Ronaldo. Ah, il a failli en profiter. Un bon pressing des attaquants et voilà comment on passe de défense à attaque. C'est bien joué. Qu'est-ce que c'est plaisant de voir des joueurs avec autant de bonnes intentions. Ça en dit long sur leur état d'esprit. C'est joué long. Bien joué, ses passes en profondeur sont toujours dangereuses. Casemiro qui tente un centre lointain. Cristiano Ronaldo. Toni Kroos qui rejoue derrière. Pas le choix avec cette défense. Ce ballon bien dosé. Oh, le coup de tête jusqu'au bout. Oh, but! Vu la situation, c'était obligé de se terminer comme ça. Il a filé au nez et à la barbe des défenseurs, très finement joué. Bien, ça fait 1-0. Il mène au score, maintenant il ne faut pas laisser l'adversaire revenir. Cristiano Ronaldo, c'est bien écarté. Il récupère le ballon, c'était un bon pressing. Dans l'espace. Il paraissait bien seul aussi. Benzema, qui était hors-jeu. Le gardien, loin devant. Le ballon sort en touche. Un long ballon vers l'avant. Toni Kroos. Il joue dans l'espace. Et la bonne intervention. Ça ne passe pas. Adrián González. La relance côté droit. Le long centre. Il glisse le ballon en profondeur. On joue sur l'aile, il est servi. Bon ballon dans la surface de réparation. Mais c'est bien fait, mais ça ne suffit pas.
voit qu'ils ont vraiment envie de ce but. Vous avez vu le nombre de joueurs qu'ils avaient dans la boîte? Et la tête! Ouais, c'est bien fait, mais ça ne passe pas. Oh, que le gardien est soulagé. Il était aux fraises, il n'aurait jamais pu arrêter ce tir-là. Adrián González. Il écarte, il joue sur l'aile. Il reçoit le ballon. Bien travaillé dans la surface. Ça panique un peu, là, la pression est énorme. Ça, c'est un bon ballon dans la surface. Et l'arbitre qui met un terme à cette première période. Le jeu est fluide, les joueurs se sont bien trouvés lors de ces premières 45 minutes. Espérons pour eux que ça continue comme ça. Le score donc 1-0. On espère encore plus de jeux, de spectacles au cours des 45 prochaines minutes. C'est une nouvelle mi-temps qui commence. Oui, et je me demande comment ils vont aborder cette deuxième période. En cherchant à faire le break ou en tentant de défendre leur avance. Un ballon intéressant. Belle passe lobée sur l'aile. Bale! Il s'impose physiquement pour récupérer ce ballon. Il décide d'allonger le jeu. La passe en retrait vers son défenseur. C'est joué long, attention. Ils ne vont pas chercher leurs adversaires. C'est intéressant. Comment ça, expliquez-vous? Ben, ils restent à distance, ça leur permet de mieux lire le jeu plutôt que de se précipiter sur la balle. Ah, ok. Bale, qui compte donc un but dans ce match. Dans le dos de la défense. Jolie accélération sur l'aile droite. Le bon dribble. Bale, le centre. Bale. Et il adore provoquer son vis-à-vis. Il est plutôt pas mal dans cet exercice. La défense passe vraiment un sale quart d'heure avec lui. Il faut le surveiller de plus près. Et ce ballon sur l'aile. Il file au but, le centre dans la surface. La bonne intervention. Il y a beaucoup de mouvements sur les côtés, vous ne trouvez pas? Oui, c'est vrai que je me faisais la même réflexion. À mon avis, ils essaient de créer des espaces dans l'axe pour une passe ou une course. Ramis, qui joue dans la profondeur. Casemiro. Bale, qui subit un marquage très serré. Oui, mais il aurait fallu le faire avant qu'il marque. Bon, au moins ils essayent. Longue ouverture en direction du poteau de corner. Bale! Ça va soulager un peu. Daniel Carvajal. Et un contact qui n'était pas régulier. Coup franc. Et cette faute sera sanctionnée d'un carton jaune. Oui, c'est normal. Il avait déjà été averti par l'arbitre. Une poignée de secondes. Voilà ce qui les sépare de cette victoire. Carvajal, le centre. Danger écarté. Cristiano Ronaldo. Oh, le but! Oh, maintenant, ça va être difficile de les reprendre. Il a mis toute sa puissance dans cette énorme frappe. Et qu'est-ce qu'il a bien frappé dans la balle? Le gardien n'avait aucune chance.
C'est le dernier changement, ultime moment de coaching pour l'entraîneur. Et c'est pas surprenant, il avait l'air de tirer la langue. Un peu de sang frais, ça l'a fait du bien. Ouais, ils ont certainement assuré la victoire avec ce but. Coup de sifflet de l'arbitre, le match est fini. Oh, quelle belle performance de leur part aujourd'hui. Franchement, c'est régalé à commenter cette rencontre. C'était vraiment un superbe spectacle. Eh bien, ils sont récompensés pour leurs belles intentions de jouer sur les ailes. Voilà le simple résumé de cette rencontre. Et ça me va très bien. Lorsqu'on arrive à bien étirer le jeu comme ça, on crée des espaces. Et là où il y a des espaces, il y a danger. Merci, la reine Tulette. Vous avez été parfait, comme d'habitude. Salut à vous. À bientôt.